Et à partir d'aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu vas progresser au nom de Jésus. Ta vie va progresser au nom de Jésus. Parce que l'onction qui détruit la stagnation est à l'œuvre en ce moment sur toute personne qui écoute le son de ma voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je veux que tu répètes ces paroles après moi. Et si tu m'écoutes et que tu as déjà donné ta vie à Christ, je veux t'inviter à te repentir, à demander pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne de tout péché qui peut l'empêcher de venir te délivrer de la stagnation tout à l'heure. Donc demande à Dieu pour toi qui as déjà donné ta vie à Christ, qu'il te pardonne de tout péché, qu'il pardonne ta lignée familiale de tout péché. Parce que certains d'entre vous, la stagnation qui est dans votre vie n'est pas une captivité personnelle, mais c'est une captivité collective. C'est-à-dire, c'est une malédiction qui est sur toute la famille, ou c'est une malédiction qui est sur une tribu, ou sur un groupe de personnes, ou c'est une malédiction qui est sur un environnement. Il y a des quartiers qui sont maudits avec l'esprit de stagnation. Quand tu vas vivre dans ces quartiers-là, tu deviens stagnant. Donc toute personne qui est dans un quartier pareil sera stagnant. Quelle que soit l'activité qu'il fait, tout ce qu'il va faire sera stagnant. Donc il y a des captivités collectives, des captivités personnelles. Donc c'est pour ça que tu demandes pardon pour tout péché personnel ou les péchés de ta lignée familiale ou de l'environnement où tu te trouves qui contribue à cette stagnation. Élève ta voix, commence à te repentir. Et pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je me repens de ma vie du péché. Pardonne-moi. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne m'appartienne plus, mais que je t'appartienne pour toujours. Écris mon nom dans le livre de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Père, je prie pour toute personne qui vient de te donner sa vie. Je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ que tu les accordes la grâce de t'aimer, de chercher ta face et de te servir pendant le restant de leur vie. Que lorsque tu reviendras pour les prendre, pour les amener au ciel, que tu les retrouves dans tes milices au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu ne permettes plus au monde des ténèbres de s'en accaparer d'eux. Je prie, Père, que tu préserves leur âme de l'enfer au nom de Jésus. Père, que leur nom demeure écrit permanemment dans le livre de la vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons prier. J'espère que tu t'es repenti de tout péché qui pouvait empêcher Dieu de venir intervenir dans ta vie en ce moment. Tu vas élever ta voix à haute et intelligible voix, de tout ton cœur, de toute ton âme, par le sang de Jésus. Je brise toute malédiction de stagnation
sur ma vie. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je brise toute malédiction de stagnation sur ma vie. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je brise toute malédiction de stagnation. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je brise sur ma vie toute malédiction de stagnation. Au nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus brise maintenant sur toutes nos vies toute malédiction de stagnation, malédiction familiale, malédiction transgénérationnelle, malédiction générationnelle, malédiction environnementale, malédiction nationale, malédiction territoriale, malédiction raciale de stagnation sur nos vies. Par la puissance du sang de Jésus, nous vous annulons, nous vous brisons, nous vous brisons, nous vous brisons, nous vous brisons, nous vous brisons. Au nom de Jésus, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. J'annule et je condamne tout décret de stagnation sur ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, j'annule et je condamne tout décret de stagnation sur ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus, élève ta voix, condamne, annule tous les décrets de stagnation sur ta vie, tous les décrets de stagnation contre ta destinée. Tous les décrets de stagnation contre tes activités, contre tes entreprises, tes affaires, ta carrière, ton mariage, tes projets, détruits, annule tous ces décrets au nom de Jésus. Il est écrit dans la Bible que tu condamneras toute langue qui se lève contre toi en jugement. Élève maintenant la voix et annule et condamne tous les décrets qui ont été prononcés. Tous les décrets qui ont été prononcés. Condamne ces décrets de stagnation. Condamne ces décrets de stagnation sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, sur tout ce que tu entreprends, sur tes enfants, sur ton époux, ton mari. Condamne, annule au nom de Jésus. Condamne et annule. Condamne et annule, 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 condamne et annule tout décret de stagnation. Oh Zanama, Aneso, Kanase, Kibada, Keto, Sakata, Makondo, Zikata, Reke, Mande, Ziko, Kara, Dozo, Koba, Kanda, Ikarodo, Izekara, Uzakata, Rekadozo, Kanda Sika Takoto, Makandezi, Makondozi Kataya. Nous partons dans les plateformes des confréries, de la sorcellerie, où des décrets de stagnation ont été prononcés contre nos vies par la puissance du sang de Jésus. Nous condamnons ces décrets. Nous vouons à l'échec ces décrets. Nous annulons ces décrets. Nous revoquons ces décrets. Au nom de Jésus, que ces décrets retombent sur la tête de ceux qui les ont décrétés contre nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute puissance qui détruit mes efforts, progrès. Toute puissance qui détruit mes efforts pour m'empêcher de progresser dans la vie,
périssez par le feu dévorant au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui détruit mes efforts pour m'empêcher de progresser dans la vie, périssez par le feu dévorant au nom de Jésus. Périssez par le feu dévorant. 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 Périssez par le feu dévorant au nom de Jésus. Périssez par le feu dévorant au nom de Jésus. Toutes les puissances des ténèbres qui détruisent nos efforts, qui réduisent nos efforts à néant, pour nous empêcher de progresser, pour nous empêcher de croître, pour nous empêcher de réussir, pour nous empêcher d'aller de l'avant, pour nous empêcher d'évoluer. Périssez par le feu dévorant de l'Éternel au nom de Jésus. Périssez par le feu dévorant de l'Éternel au nom de Jésus. Que le feu dévorant de l'Éternel vous fasse périr. Que le feu dévorant de l'Éternel vous fasse périr. Périssez par le feu. Périssez par le feu. Périssez par le feu. Périssez par le feu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je brise les chaînes et détruis les barrières qui me maintiennent stagnant. Au nom de Jésus-Christ, je brise les chaînes et détruis les barrières qui me maintiennent stagnant. Au nom de Jésus, élève ta voix. Je brise les chaînes et détruis les barrières qui me maintiennent stagnant. Au nom de Jésus, je brise les chaînes et détruis les barrières qui me maintiennent stagnant. Au nom de Jésus, les barrières de la sorcellerie, les barrières de l'occultisme, les barrières spirituelles, les barrières de limitation. Je détruis ces barrières. Je détruis ces barrières. Toutes les barrières qui nous maintiennent stagnants, soyez détruits au nom de Jésus. Toutes les chaînes qui nous maintiennent stagnants, nous vous brisons au nom de Jésus. Nous vous coupons au nom de Jésus. Nous vous cassons au nom de Jésus. Nous vous consumons par le feu au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Toute puissance assignée pour m'attacher au même niveau dans la vie, périssez par le feu dévorant au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres, toute puissance de la sorcellerie assignée pour m'attacher au même niveau, pour me maintenir au même niveau dans la vie, périssez par le feu au nom de Jésus. Périssez par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Par la puissance du sang de Jésus, je brise toute limitation imposée sur ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du sang de Jésus, je brise toute limitation imposée sur ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je brise, 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 je brise par la puissance du sang de Jésus toute limitation imposée sur nos vies et nos destinées. Je le brise au nom de Jésus. 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 Toutes les limitations,
toutes les limitations imposées sur nos vies, imposées sur nos destinées, imposées sur tous les domaines de nos vies. Je brise ces limitations au nom de Jésus. Je brise ces limitations financières. Je brise ces limitations maritales, matrimoniales au nom de Jésus. Je brise ces limitations professionnelles. Je brise cette limitation dans les entreprises, dans les projets, dans les business. Je brise ces limitations sociales, académiques. Je brise les limitations intellectuelles, psychologiques, émotionnelles, morales. Je brise les limitations spirituelles au nom tout-puissant de Jésus. Je brise toutes ces limitations. Je brise toutes ces limitations au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Dis mon corps, mon âme, mon esprit, mon corps, mon âme, mon esprit, sortez de toute cage et prison de stagnation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme, mon corps, mon esprit, je vous ordonne, sortez de toute cage et prison de stagnation au nom de Jésus. Sortez 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 au nom de Jésus. Sortez. Sortez au nom de Jésus. 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 Sortez. 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 Sortez au nom de Jésus. Mon corps, mon âme, mon esprit, sortez de toutes les cages, sortez de toutes les cages, sortez de toutes les cages et des prisons de la stagnation. Au nom de Jésus, sortez, sortez par le feu, sortez par le feu, sortez par le feu, sortez par le feu, quelles que soient les prisons, les cages dans lesquelles l'esprit, le corps et l'âme a été emprisonné par le feu du Saint-Esprit. Ton corps, ton esprit, ton âme sort de ces prisons au nom de Jésus-Christ. Ça sort au nom de Jésus. 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 Toi qui tournais en rond à partir d'aujourd'hui, tu ne tourneras plus en rond au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les esprits qui te faisaient tourner en rond, je les ordonne de sortir. Je les ordonne de libérer ta vie, 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 de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui t'amenaient à recommencer tout le temps, les esprits qui t'amenaient à recommencer tout le temps, à recommencer, recommencer, à être dans un recommencement perpétuel dans tout ce que tu fais, je prends autorité sur cet esprit, je leur donne de sortir de ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne recommenceras plus. Ce que tu vas commencer ira jusqu'à la réussite, jusqu'à l'accomplissement au nom tout-puissant de Jésus. Tout démon, tout esprit humain qui t'amenait à recommencer les choses, à recommencer tout à zéro, je chasse cet esprit de ta vie au nom de Jésus. Je chasse cet esprit hors de ta maison, hors de ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit
qui t'amène à ne pas finir ce que tu commences. Tu commences, mais tu ne finis pas. Tu commences, tu ne finis pas. Tu commences, tu ne finis pas. Tu commences, tu ne finis pas. Je maudis cet esprit au nom de Jésus. Je commande à cet esprit de sortir de ta vie et de sortir avec tous ses bagages. Que ça sort de ta vie avec tous ses bagages. Libérez-les. Libérez-les par le feu au nom de Jésus. Libérez-les au nom de Jésus. Libérez-les au nom de Jésus. Libérez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ces esprits qui créent des événements pour t'empêcher de progresser. Ces esprits qui sont là pour créer des événements récurrents, qui sont là pour créer des maladies, créer des accidents, créer des situations conflictuelles, des situations de conflit, créer des situations de frustration, créer des situations de stress, créer des situations dépressives dans ta vie afin de pouvoir dérouter tous tes efforts, afin de pouvoir dérouter tout ton énergie. Je commande à ces esprits maintenant qu'elles soient consumées par le feu du Saint-Esprit, qu'elles libèrent ta vie, qu'elles libèrent ta vie, que ces esprits libèrent ta vie au nom de Jésus, que toutes ces puissances libèrent ta vie au nom de Jésus, que ces puissances libèrent ta vie, que ces puissances soient détachées. Détaché de ta maison, détaché de ta tête, détaché de ton corps, détaché de tes pensées, détaché, 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 détaché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, amen. Tu vas dire, qui que ce soit, quoi que ce soit, qui doit périr pour que ma vie puisse progresser. Que la terre ouvre sa bouche et les engloutisse, les avale au nom de Jésus-Christ. Qui que ce soit, quoi que ce soit, qui doit périr pour que ma vie progresse. Que la terre ouvre sa bouche et les avale au nom de Jésus. Que la terre ouvre sa bouche et les engloutit au nom de Jésus. Que la terre les engloutit au nom de Jésus. Que la terre les engloutit au nom de Jésus. Que la terre les engloutit au nom de Jésus. Tous ceux qui doivent périr pour que nos vies progressent. Tous ceux qui doivent périr pour que nos vies progressent. Tous ceux qui doivent périr pour que nos vies progressent. Que la terre ouvre sa bouche et les avale, les avale, les avale, les avale. Qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Car la méchanceté est au milieu d'eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, mets en déroute tout ce qui se dresse contre mon progrès et ma réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Précieux Saint-Esprit, mets en déroute tout ce qui se dresse contre mon progrès et ma réussite. Au nom de Jésus, précieux Saint-Esprit, mets en déroute tout ce qui se dresse contre mon progrès et ma réussite. Au nom de Jésus, précieux Saint-Esprit, mets en déroute tout ce qui se dresse contre mon progrès et ma réussite. Au nom de Jésus, mets en déroute, précieux Saint-Esprit, tout ce qui se dresse contre ma réussite et mon progrès. Au nom de Jésus, mets-les en déroute, 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 mets-les en déroute. Au nom de Jésus, que le vent impétueux du Saint-Esprit terrasse, mets en déroute
tout ce qui se lève contre nous, tout ce qui se dresse contre notre progrès, contre notre réussite, contre notre évolution, contre notre croissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas prier ce dernier sujet de prière. La parole de Dieu. La parole de Dieu remplace dans mon âme et mon cœur tout système de pensée et mentalité qui me rendent stagnant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parole de Dieu remplace dans mon cœur et mon âme tout système de pensée et mentalité qui me rendent stagnant. Au nom de Jésus, parole de Dieu remplace dans mon âme et mon cœur tout système de pensée et mentalité qui me rend stagnant. Au nom de Jésus, remplace, remplace, remplace. Parole de Dieu, remplace dans mon cœur, remplace dans mon âme, remplace dans mon cœur, remplace dans mon âme, remplace dans mon cœur, remplace dans mon âme. Tout système de pensée, tout système de pensée, tout système de pensée, toute mentalité qui me maintient dans la stagnation. Oh! Parole de Dieu, remplace ces systèmes de pensée. Détruis leur forteresse dans mon âme. Détruis leur forteresse dans mon intelligence. Détruis leur forteresse. Détruis leur forteresse dans mon âme, dans mon cœur. Détruis leur forteresse au nom de Jésus. Détruis leur forteresse éternelle des armées. Détruis leur forteresse par ta parole. 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 Au nom de Jésus. Détruis, 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 détruis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dis ma vie, à partir d'aujourd'hui, va de l'avant en toutes choses, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ, va de gloire en gloire, va d'élévation en élévation, de promotion à promotion, de croissance à croissance, de réussite à réussite, d'accomplissement en accomplissement. Car il est écrit, la gloire de la deuxième maison, cela sera plus grande que celle de la première maison. Que la gloire de Dieu dans ma vie soit plus grande que celle du passé au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu dans ma vie soit plus grande que dans le passé au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu dans ma vie soit plus étendue que jamais au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de la réussite et de l'excellence sur ma vie déborde plus que jamais sur ma vie au nom de Jésus.
mes pas de nain du passé deviennent des pas de géant dans le présent et dans l'avenir au nom de Jésus. Que mes pas de nain dans le passé deviennent des pas de géant dans le présent et dans l'avenir au nom de Jésus. Je serai meilleur dans tout ce que je fais chaque jour au nom de Jésus. Je serai meilleur dans tout ce que je fais chaque jour au nom de Jésus. Je ne vais plus jamais régresser. Je ne vais plus jamais être immobilisé. Mais j'avancerai toujours. J'irai toujours de l'avant dans la direction que Dieu a tracée pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rattrape par l'onction de Dieu tout ce que j'ai perdu dans la stagnation au nom de Jésus. Je rattrape, je récupère par l'onction de Dieu tout ce que j'ai perdu dans la stagnation au nom de Jésus. Je récupère, je récupère, je récupère. Cite ce que tu récupères. Récupère, cite, commence à citer ce que tu récupères. Récupère les années que tu as perdues dans la stagnation. Récupère les emplois que tu as perdus. Récupère les biens que tu as perdus. Récupère les mariages que tu as perdus. Récupère les enfants que tu as perdus. Les maris, les épouses que tu as perdus. Récupère tout ce que tu as perdu. Récupère, récupère les bénédictions que tu as perdues. Récupère les moissons que tu as perdues. Les moissons divines, les récoltes divines que tu as perdues. Récupère les maisons, les voitures que tu as perdues dans la stagnation. Tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a détourné dans la stagnation. Récupère, récupère. Récupère, récupère, appelle cela par son nom et tu récupères au nom de Jésus. Récupérer, 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 récupérer tout ce que vous avez perdu. Récupérer ces années, récupérer, récupérer vos projets, vos business, vos partenaires, récupérer vos entreprises, récupérer, récupérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, récupérez, récupérez, récupérez tout ce que vous avez perdu. Tout ce que vous avez perdu, vous récupérez, 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 vous récupérez tout ce que vous avez perdu, vous récupérez. Vous récupérez tout ce que vous avez perdu. Vous récupérez au nom de Jésus-Christ. Amen. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a opéré dans ta vie pendant ce programme. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Commence à sceller avec le sang de Jésus tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as récupéré. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ pour ton peuple, pour tout ce que tu accomplis dans leur vie. Ô Seigneur,
tout au long de ce programme, que cela soit permanent dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute réplique, toute contre-attaque du monde et des ténèbres soit repoussée farouchement par une haie du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit qui va nous entourer au nom de Jésus. Toute contre-attaque du monde des ténèbres, que tous ceux qui vont vouloir contre-attaquer, qu'ils soient frappés de mort par ton glaive, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus, que les églises des cieux s'ouvrent au-dessus de leur tête, que les miracles s'accomplissent dans leur vie. Au nom tout-puissant de Jésus, pourvois, Seigneur, à tous leurs besoins, qu'ils soient dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ceux qui n'avaient pas l'emploi obtiennent des emplois de qualité au nom de Jésus et des emplois au-delà de leurs compétences et de leur niveau au nom de Jésus. Qu'ils obtiennent, qu'ils aient des salaires, des compensations, des salaires qu'ils n'ont jamais touché, plus élevés au-delà de leurs attentes au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades, maintenant qui écoutent le son de ma voix, soient tous guéris instantanément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ont des choses qui marchent dans leur corps, je maudis tous ces objets, tous ces êtres qui marchent dans ton corps, et je les ordonne maintenant de sortir au nom de Jésus-Christ et de rentrer d'où ils viennent. Au nom de Jésus, que le feu dévorant de l'Éternel le consume dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, je prie, ô Seigneur, pour tous ceux qui veulent se marier, Seigneur, que tu croises le chemin avec leur partenaire divin ou divine, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute personne qui veut, qui est avec un fiancé ou une fiancée, qui est en train de lui perdre le temps, Seigneur, que tu éloignes ces fiancés, envoyés par le monde des ténèbres pour gaspiller les énergies et perdre le temps à tes enfants au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui occupent leur position divine, ô Seigneur, soient retranchés au nom de Jésus-Christ de ces positions et qu'ils occupent leur position matrimoniale au nom de Jésus. Que tous ceux dont le mari ou la femme a quitté le mariage, que le Seigneur, l'Éternel des armées, les ramène dans le mariage au nom de Jésus. Que tous les foyers qui sont dans la guerre, dans les conflits, dans les problèmes, soient restaurés maintenant au nom de Jésus. Que le Prince de paix, Jésus-Christ, instaure la paix, la réconciliation dans ces foyers, dans ces familles, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ceux qui font des études, qu'ils réussissent dans toutes les études avec excellence, donne-les l'intelligence divine et la sagesse au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont dans les affaires, ô Seigneur, que tu bénisses les affaires, qu'ils puissent réussir et prospérer dans toutes les affaires au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, et que tous ceux, Seigneur, qui ont besoin d'être intégrés, qui ont besoin de l'intégrité dans les pays où ils se trouvent, Seigneur, permets-les d'être légalisés dans leur pays au nom de Jésus, au Père des prodiges et des miracles, que toute leur situation soit normalisée au nom tout-puissant de Jésus-Christ et qu'ils puissent devenir, qu'ils puissent être capables de fonctionner, d'opérer légalement dans les pays où ils se trouvent au nom de Jésus. Toute personne qui a des procès en justice, ô Seigneur, que ta miséricorde et ta compassion soient sur ces personnes et que ces personnes, ta faveur soit sur elles et qu'elles obtiennent des verdicts en leur faveur au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth.